Mon père, moi, il est né en Algérie, puis il est venu tout seul ici, je crois qu'il est en mai, je sais qu'il est arrivé en mai 66, un truc comme ça, bon, il est arrivé, c'était pendant les grèves même, il est arrivé, puis il s'est débrouillé tout seul, puis voilà, il a fait ce qu'il avait à faire tout seul, et puis maintenant il sait parler français, il sait lire, il sait écrire, il s'est débrouillé tout seul. Ma mère c'est pareil, ma mère par contre elle est arrivée de Tunisie, elle. C'est le père à ma mère qui l'a marié avec un Algérien. Normalement, c'est tunisien, c'est comme ça que ça marche. Mais par contre, ma mère, elle s'est mariée avec un Algérien. Non, il l'a pas forcé, c'est. Comme on va dire maintenant, c'est son père qui a arrangé le coup, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, c'était mon père, je crois, qui était parti voir le père de ma mère, et puis ça s'est passé comme ça, quoi. C'est comme ça se passe encore, d'ailleurs, hein. C'est comme ça encore. Ils ont tout laissé là-bas pour venir ici, quand ils sont partis, d'Algérie. Ils sont partis, ils sont venus ici, ils ont dit la France, on va trouver du travail, on va rester, on va élever nos enfants ici. Ils ont tout laissé là-bas pour venir ici, ils sont partis de rien ici, ils ont tout construit. Je vois pas pourquoi ils voudraient repartir. Mère, tout souvent, elle fait, ah, j'aimerais bien repartir, hein. J'aurais dû rester là-bas, au lieu de venir ici, et tout ça. Puis c'est vrai, hein. Mais quand on repart, par exemple, quand on part en vacances en été, ma mère, elle veut plus revenir, hein. Elle est bien là-bas. Ouais, mais elle est bien, elle pense pas à nous. Franchement. Enfin, si, elle pense à nous parce qu'elle revient. C'est vrai que moi je pourrais pas vivre là-bas. Jamais. Pourtant, faut dire que j'ai leur mentalité, mais je pourrais pas vivre là-bas. Parfois, quand tu marchais, même quand on allait à l'école, nos chaussures restaient collées dans la boue. Il fallait avoir deux paires, pratiquement, une pour traverser juste le chemin et une autre pour arriver à l'école parce qu'on ne pouvait pas arriver dans une telle saleté. Quand j'étais petit, on avait dans une chambre comme ça, il y avait quatre lits superposés. Ouais, moi j'étais petit, j'étais avec mon père. Les réchauds à gaz. C'est lui qui l'avait à l'hôtel là, s'appelle Mansour. Mansour. Voilà le matelas. C'est mon oncle. Il a mis toujours une casquette. C'est lui. Dans le bidonville, il y avait encore des familles. Il y avait des présences féminines. Ici, avec des présences d'hommes, parce que c'était une sorte de ce qu'on appelle des hôtels dortoirs. Tu avais juste de quoi poser ton assiette. Les uns après des autres, chacun avait sa gamelle, chacun se faisait à manger, chacun avait un petit cajot qu'il ramassait du marché où il y avait la nourriture de la semaine, et chacun essayait de respecter l'espace de l'autre, parce qu'il fallait absolument essayer de vivre dans une forme de convivialité, de fraternité, parce que sinon c'était le clash tout le temps. Ou un moment de paix, c'était le dimanche, le jour du Seigneur, comme on dirait. Parce que les hommes qui étaient là, les travailleurs immigrés, pouvaient se lever un peu plus tard, pouvaient enlever le bleu de la semaine. Le bleu, c'est un moment, c'est-à-dire qu'ils le posaient, ils préparaient la bassine dans laquelle ils allaient le laver, ils allaient s'habiller avec ce qu'on appelle les habits du dimanche, le jour où tu es propre, mais complètement, parce qu'ici, il n'y avait pas de bain et de douche, bien entendu. Et les gens allaient au bain-douche avec le petit savon, le dope pour se laver les cheveux, etc. Et moi, je me souviens, mon père m'amenait avec lui à la douche. J'avais honte parce que je me disais, oh,
Ils vont voir que je rentre avec mon père dans la douche. Comme il ne voulait pas payer deux fois, il fallait se laver dans la même douche que lui. Tu ne peux pas savoir la honte que j'avais que des copains puissent me voir, même à 10 ans, que j'allais au bain de douche municipal et dans la même cabine que mon père. On arrivait à prendre pendant 3 heures ou 4 heures un peu d'une vie possible, de mettre un peu de musique, d'avoir le temps de mettre une radio. Alors pour eux, ici c'était des kabyles, donc c'était Slimane Azzam, une sorte de Georges Brassens, kabyle, qui chantait la vie, l'existence, avec énormément de poésie. Donc où il y avait une douceur, tu entendais un peu de... Il y avait le café, c'était dans un espace réduit, modeste, mais il y avait comme une forme de vie qui était possible une fois par semaine. Un refus qui s'inscrit très vite en moi de tout ce que j'ai vu des hommes humiliés, de ces conditions de vie dans le bidonville, de ce que j'avais vu ici aussi, ou d'une vie où des hommes vivaient les uns après les autres dans un petit espace. Et je me dis, il ne faut pas que je finisse comme ça, parce que je me rends compte que si j'accepte ça, enfin, à l'époque, je n'ai pas le raisonnement, mais je me rends compte que si j'accepte ça, c'est ça qui m'attend. Et ce qui se passe, c'est que, comme je vois d'autres enfants à côté qui vivent autrement, très vite, la révolte, au lieu que ça se passe par des mots ou par autre chose, pour moi, elle va se passer par le déni. C'est-à-dire que à 13 ans, 12 ans, à la grande honte de mon père, je rentre dans ce qu'on appelle une délinquance primaire. Et évidemment, ce qui était extrêmement violent pour lui et pour tous les gens qui vivaient ici, c'est de me voir et de voir les flics arriver, m'amener avec des menottes à 12-13 ans. Parce que eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est surtout se faire remarquer. Parce qu'ils étaient persuadés que eux qui vivaient dans le silence, et moi qui poussais cette sorte de cri, je les dérangeais absolument, quoi. Et j'amenais le regard des autres. Parce que eux, c'était surtout vivre dans la discrétion la plus totale. Amener la police, perquisitionner au commissariat, c'était se découvrir d'une certaine façon. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était salutaire pour moi. S'il n'y avait pas eu cette pulsion de vie, c'est-à-dire que si je n'étais pas passé dans la délinquance, j'aurais ressemblé à des hommes humiliés, à ceux qui baissent la tête, à ceux qui disent « oui, monsieur ». Et que la seule forme de refus qui était possible pour moi, c'était celle de l'antéloi, c'est-à-dire d'essayer de sortir du cadre de la légalité. Comme il y en a qui rêvent à une carrière, ma carrière c'était d'être souteneur, parce que je voyais de jeunes macros autour de moi qui avaient... Moi j'avais 13 ans, ils avaient 20 ans, ils avaient des voitures, des Lamborghini, du Mustang, ils étaient bien habillés, ils avaient des Weston, enfin, ils sentaient le parfum. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut être, parce que je voyais mon père, lui, qui n'avait aucun goût, aucune couleur dans le choix du vêtement, aucun goût, véritablement, ni dans celui de se nourrir, ni dans celui de se vêtir. La seule façon d'essayer de me guérir de toute cette violence, c'est essayer de l'écrire, de la traduire. C'est venu par les mots. Le fait d'écrire m'a appris à dompter cette violence. C'est comme si elle s'était posée dans les mots et que dans la vie quotidienne, j'en ai plus besoin aujourd'hui. À l'époque des bidonvilles, on ne connaissait que les petits-enfants. Et on n'a jamais imaginé que ces enfants-là... Enfin, on n'a pas pris en compte que ces enfants-là allaient devenir des adolescents, etc., si vous voulez. On avait un modèle qui était vraiment celui de l'intégration des anciens paysans dans la société française. On est tous normaux là, on n'est pas des racailles. On a plein qui galèrent sur la cité, c'est pas des racailles. Hein. Ouais, mais bon, non, il y a des. Ceux qui chantent. Ceux qui volent, ceux qui dealent, tout ça. Voilà. Ceux qui pillent. Mais les plus marrants, c'est les Bledman, ceux qui viennent juste d'arriver du bled. Ah, c'est les plus marrants. Ah, avec leur accent et ils sont tout. Terribles, ouais. C'est marrant. Hein. Ouais. Avec des chaînes en or, des casques orange et tout. C'est pas puissant. Franchement, ouais. Trop marrant. Quand tu vois quelqu'un qui est sans marque, tu te dis, ouais, c'est un bouffon. Faut dire aussi, t'as vu? Non, c'est vrai, hein. C'est vrai. Par exemple, on dit que les marques, elles influencent vachement les jeunes. Mais on voit un jeune
sans marque, on se dit ouais. Elle est dingue. Voilà, on commence à le tailler, on commence à le critiquer. C'était pour 6 mois. C'était un passage avant d'habiter en HLM et en fin de compte, on y est resté, on y grandit. Et puis, moi, je suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc avant d'avoir accès à un HLM, j'ai passé 18 ans de ma vie dans une cité de transit. Entre autres, là, j'habitais juste sous le pont. À partir de 5h30 du matin jusqu'à minuit, on avait droit au bruit du train tous les 3 minutes. C'était là, on habitait juste là, sur le talus, là. Il y avait les baraques, c'était des baraques en préfabriqué, style baraque de chantier. Donc on était 11 dans des baraques comme ça. Les gens qui étaient dans les bidonvilles seraient logés dans des cités de transit, dans lesquelles une action socio-éducative pourrait préparer ces familles à entrer ensuite dans le paradis HLM. Quand on regardait des reportages à la télé sur le tiers-monde, et nous, pour nous, c'était... Enfin, on nous montrait ce qui se passait en Afrique ou ailleurs, mais nous, on vivait presque pareil, parce qu'on n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de douche pour se doucher, tout le terrain, c'était que de la boue, nos jeux, c'était quoi? C'était jouer aux pierres ou aux lances. Donc pour nous, le tiers-monde, il existait, il était à 2 km des Champs-Élysées, pas loin. La cité de transit devait accueillir la famille pour 2 ans. Hein? 2 années d'action socio-éducative. Apprendre à vivre en France, enfin, en quelque sorte. Et un assez grand nombre de familles sont restées 25 ans dans la cité. Pour nous, c'est quelque chose de normal. On vivait là, c'est parce qu'on avait le droit de vivre là. Parce qu'on nous a ancré ça dès notre jeune âge, on a grandi que dans des bidonvilles, donc pour nous c'était quelque chose de normal. Donc même avoir droit ou accès un jour à un immeuble ou à un HLM, pour nous c'était du luxe. Donc c'est quelque chose qu'on acceptait. D'ailleurs c'était bien défini par l'autorité, donc il y avait bien des tenturés de fil barbelé, hein. Donc ça voulait tout dire. Donc le territoire où on vivait, c'était bien défini. Donc la seule sortie qu'on avait, c'était soit les enfants d'aller à l'école la journée, et nos parents c'était d'aller au travail puis revenir. Donc à 23h le soir, on n'avait rien à faire en dehors de la cité. Donc on n'avait pas le droit pour les gens qui étaient déjà, qui avaient l'âge de 17 ans, 18 ans à cette période-là, d'aller au cinéma ou de sortir ou d'aller acheter une cigarette. Le chef de la cité était un gestionnaire. Dans certains cas, c'était des Français qui revenaient d'Algérie et qu'on mettait là parce qu'ils étaient mieux à même de comprendre quelquefois la langue, plus souvent les manières d'être, mais surtout ils étaient plus à même, disait-on, de commander. Très souvent c'était le genre ancien sergent-chef, quoi, adjudant. Des gens qui, je vais dire très méchant mot, mais qui connaissaient l'indigène. On les a mis dans la cité de transit en tant que gardien, c'était pour instaurer aussi l'ordre, c'était une façon de parler, c'était « oh la Fatma, oh le Cheikh ». C'était donc nous, les bons jeunes nés en France, on ne comprenait pas ce discours. C'était la moindre des choses de parler avec une dame ou avec nos mères, c'était « s'il vous plaît madame » ou « pardon monsieur ». Mais il y avait... Et donc les problèmes ont commencé justement quand nous on commençait à répondre, on voulait pas ce dialogue, on voulait pas cette façon, on n'acceptait pas cette façon de parler aux gens. Nos parents ne disaient rien, l'acceptaient, parce que bon, pour nos parents, ils étaient là, bon, on est immigrés, donc c'est normal qu'on vive dans une cité de transit, parce qu'on n'en est pas chez nous. Mais nous, on n'acceptait pas ça, parce que nous, on ne savait pas ce que c'était, on est en France, donc on ne savait pas. Déjà, à cette période-là, il y avait une crise d'identité. Bon, nous, on était en France, on était à l'école française avec des camarades français. Donc, en classe, il n'y avait pas de différence. Donc, ce n'était pas normal. Quand on sortait de l'école, il y avait cette différence. Donc, on a vu, ils n'avaient pas parlé comme ça à nos parents.
j'allais avec ma mère déjà à la préfecture pour demander, enfin pour faire, déposer une demande de logement. Et je me rappelle, le monsieur, il répondait à ma mère en disant que le quota d'immigration était dépassé. Donc à cet âge-là, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire que la signification d'immigrer. Donc ma mère l'acceptait. Donc ça veut dire que le quota de l'immigration était accepté, donc on devait accepter là où on habitait. Pour demander les congés de vacances, c'était pareil à la mairie, le quota d'immigration était dépassé, parce qu'il y avait un quota seulement qui était réservé pour les immigrés. Donc à cet âge-là, j'étais immigré. Mais à l'âge de 18 ans, il y a un jour, bien sûr, je caricature, j'ai la gendarmerie qui débarque chez moi. Pour le service national, j'étais français. Donc entre 1 an et 18 ans, pour avoir un appartement et puis pour avoir un endroit sain, pour avoir une éducation saine dans des endroits propres, etc., j'étais immigré, ce n'était pas possible. Mais à 18 ans et un jour, pour le service national, j'étais français. Donc comment voulez-vous que, quand vous avez grandi dans une cité comme ça, dans un endroit avec plein de boue, où vous êtes isolé de tout le monde, de la société, etc., comment voulez-vous, quand vous avez 20 ans, 22 ans, c'est ce qui se passe maintenant dans les banlieues, les gens ils s'extorisent avec une haine, parce qu'il y a une crise, il y a une crise de confiance. Dès notre jeune âge, on était des étrangers. Maintenant, on nous parle d'intégration. C'est quoi l'intégration ? Comme dans la définition d'intégration, je pars du principe, maintenant j'ai la chance d'avoir un boulot, je travaille, je paye mes impôts, je paye mon essence comme tout le monde, je paye mon loyer. Bah pour beaucoup de gens, je ne suis toujours pas intégré, on parle toujours d'intégration. Alors c'est quoi être intégré? Je ne sais pas. Comme dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être intégré? C'est l'Aïd, dans 2-3 jours, on est obligé de se cacher comme des voleurs. Alors que normalement c'est une fête, c'est la fête du pardon. C'est une fête qu'on aimerait partager avec beaucoup de gens, avec d'autres personnes, d'autres religions. Moi, bon, j'ai eu un islam de mon père, c'est-à-dire du savoir et du respect et d'autrui, etc. Donc j'aurais bien voulu, moi, inviter des collègues de bureau avec moi pour venir, comment qu'on pratique l'Aïd. Mais on ne peut pas, on est comme des voleurs, on oublie de se cacher, on oublie d'aller à 200 km pour tuer un mouton dans une ferme, venir comme... bientôt, ils vont nous demander une carte grise pour un mouton. Alors que je suis français, mais je suis français musulman. Elle m'a rien appris de l'islam. Moi, ma mère, elle le regrette de rien avoir appris, elle-même. Donc vous connaissez rien d'islam? Moi, je connais rien du tout. Elle connaît rien m'apprendre. Elle le regrette, hein, mortel. C'est une honte de ne pas le faire. Ouais, franchement, on se fait tailler. Quand on mange même à l'école, quand on mange devant quelqu'un, un arabe pendant le ramadan, une espèce de sale arabe, tu fais même pas le ramadan, la honte, la chouma et tout. Tu te fais tailler, quoi. Ça devient presque une obligation. Bon, t'es pas contraint, quoi, parce que bon, c'est vrai que c'est pas eux qui commandent. Là, mais je veux dire. T'as envie de le faire, c'est chaud, quoi. Quand les Français ils te font, mais t'as pas faim. T'as pas faim là. Je sais pas, pour eux c'est super et tout. Et ils le font pas, eux, le carême. Eh, mais moi, il y a plein de Français dans ma classe qui veulent faire dans. Je suis dans une école catholique. Ouais, c'est vrai, en plus, les musulmans. Disons, les maghrébins, ils ont beaucoup chébranlé. Influencé les. Non, mais c'est vrai. Les Français, c'est vrai. Moi, ils ont beaucoup influencé les Français. Pas que les Français. Mais il y en a plein, ils font. Oh là là, c'est vrai. Je voudrais bien essayer de faire le ramadan. Ouais. Ils disent ça, ils disent ouais. Mode, ouais, mais il y en a qui le font. Ils font. Non, mais c'est vrai. Ça. Non, mais c'est vrai. C'est bien pour eux. C'est rare. C'est vrai, on dirait que c'est à la mode d'être musulman, un truc comme ça. On dirait dans les cités plus. Par exemple, les petits pendentifs, la main de Fatma à l'œil. Oh, c'est mignon, oh, je voudrais bien l'avoir, c'est quoi ça? Et après, on raconte, ouais, bon, bah l'œil, tu vois, c'est ça, ça, ça. L'histoire, elle leur plaît, je voudrais bien l'avoir, l'œil. La main de Fatma, l'histoire, elle leur plaît, oh, je vais l'acheter et tout. Ouais, des bagues avec Allah et tout. Ouais, il y en a qui jouent sur le Coran. Déjà, nous, franchement, ce qui paraît, c'est pas bien de jouer sur le Coran. Des Français qui jouent sur le Coran. Non, c'est vrai. Voilà, sur le Coran. Comment ça? Je leur fais. Ouais, qu'à la dernière fois, Sandrine. On peut pas prendre la confiance, je suis désolée. Ouais. Je sais pas, moi, je suis repas sur la Bible. Hein. Ouais, qu'à la dernière fois, Sandrine. Ça m'arrête de m'énerver comme ça. Mais juste là, sur la Torah. Moi. Et toi,
voilà. Non, mais les juifs, encore, ça c'est rare. Ma mère, elle met le sapin pour mon petit frère. Moi, ouais. Ma mère, elle l'a toujours fait depuis que je suis toute petite, alors elle a pas lâché l'affaire. Non, faut dire qu'on habite en France et qu'on s'est un petit peu adapté à. Comme Pâques, c'est un jour férié. Bon, on cache des œufs. Quoi ? Noël, c'est un jour férié, nous on le fait. Hein. On cache Noël. Des œufs. Elle a toute la vie pas à les parents. Non, mais pas moi, moi je le fais pas, c'est un truc bien. Mais Noël, moi j'ai des cadeaux à Noël. T'as pas de cadeaux à Noël ? Si. Voilà, on a des cadeaux. Bon. Mais c'est adapté, c'est la fête. C'est pas une religion, c'est pas une tradition, c'est une tradition, c'est leur tradition, mais ça rentre pas dans leur religion, ça rentre pas dans leur religion encore en fait. Mais bon, c'est un petit peu adapté, c'est vrai que Noël on fête. Moi, je me rappelle, ma mère nous levait à 5h du matin parce que ma mère, appliquant la règle de la fille aînée qui doit suppléer toutes les tâches ménagères, elle nous réveillait, moi et ma sœur aînée, à 5h du matin pour qu'on puisse faire tout le ménage avant de partir à l'école. Alors le soir, quand on rentrait, on devait se soucier de ce qu'il fallait faire, etc., pour les enfants. Toi, avec le peu de connaissances que tu commences à acquérir, on t'assigne tout de suite des tâches. Tu dois aider les parents, tu dois les assister. J'ai vraiment le sentiment, quelque part, d'avoir été la mère de mes propres frères et sœurs, à tel point que je ne souhaitais pas avoir d'enfants parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu la maternité. Mais je l'ai vécu, la maternité, dans les pleurs de la nuit, dans les couches, en tant que sœur aînée. Donc, je me substituais totalement à mes parents. Je prenais rendez-vous avec les professeurs, je rencontrais donc les éducateurs, je rencontrais tout le monde pour suivre la scolarité. Et quand ils essuyaient un échec, j'étais en colère, mais la colère et la déception de la mère. Et non pas de la sœur aînée, parce que j'étais totalement impliquée. Mais moi, j'ai grandi vraiment dans le projet, dans le projet du retour. Le mythe du retour. Alors là, c'était le leitmotiv. Nous faisions tout à la maison avec ce projet. Alors, jusqu'à des petits détails où la tapisserie, on ne l'avait jamais changée, depuis qu'on avait possession des lieux, quand on est arrivé dans notre appartement, parce que mon père nous répondait « Mais enfin, je ne vais pas investir dans la maison des Français !» Donc, c'était sa formule. Et parallèlement à ça, si tu veux, non seulement ils étaient dans l'incapacité de transmettre quoi que ce soit, ne serait-ce que même par rapport à leur propre culture, et encore moins par rapport à la culture du pays d'accueil, jusqu'au moment où il y a la rupture, c'est-à-dire où je vais plus jouer le jeu, parce qu'il y a une prise de conscience, où je réalise que moi, cette culture qui sont mes racines, qui sont mes origines, certes, mais je réalise que ma vie est ailleurs, qu'elle est ici, que ma vie est ici, et que je suis plutôt submergée par mon quotidien. Mon quotidien, il est à 24 heures sur 24 français, il n'est pas du tout algérien, si ce n'est que par cette petite lucarne, le contact au sein de ma famille. Alors que tu es demanderesse hein, dans ta relation de père et à l'égard de ton père et de ta mère, ils ne peuvent pas répondre à ton attente, précisément parce qu'ils sont dans l'incapacité, ils n'ont pas les moyens pour répondre à cette attente. Et cette situation, si tu veux, est d'autant plus douloureuse que donc tu n'es pas soutenue à l'intérieur, mais à l'extérieur non plus, parce que la société française, alors qu'elle a parfaitement conscience de la difficulté, elle sait que tes parents ne savent pas lire, ne savent pas écrire, elle sait que tu as une difficulté, même en termes de ressources après tout, mais les hommes politiques du moment vont même prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences. Qui sont lourdes de conséquences, tant sur les êtres humains que sur même la notion de dignité d'homme. Vous avez un lavabo qui est relativement plein. Je dirais, ce lavabo, il est plein d'immigrés. Bon. Vous dites, il faut que le lavabo ne se remplisse plus. Donc vous fermez le robinet, je dirais, d'eau chaude, hein, c'est-à-dire les travailleurs immigrés.
Vous dites, mais en même temps, vous vous rendez compte que malgré tout, si vous le fermez, il y a une espèce d'agitation. Donc vous ouvrez un autre robinet. L'autre robinet, c'est le regroupement familial qui provoque. Alors vous bloquez un flux, mais vous faites entrer un autre flux. Alors vous dites merde, ça continue à se remplir puisque vous avez bloqué un flux. Alors vous dites, il faut vider. Alors vous, à ce moment-là, vous créez l'aide au retour qui est censée vider le lavabo. Voilà. J'ai proposé une action en trois volets. Premièrement, intégrer tous ceux qui étaient en France légalement pour qu'ils puissent vivre avec nous et comme nous. Donc une politique d'intégration des travailleurs et de leurs familles. Deuxièmement, un arrêt de toute immigration nouvelle, puisque nous ne pouvions plus donner d'emploi compte tenu des problèmes de croissance ralentis. Et troisièmement, une aide au retour volontaire, parce qu'à cette époque-là, un grand nombre de travailleurs étaient venus pour le travail et pas pour s'installer en France. Et compte tenu du chômage qui était en train d'apparaître, il était normal de leur proposer de rentrer chez eux dans des conditions qui soient favorables pour eux et sur la base du volontariat. L'aide au retour était donnée à toute la famille ou à personne. Parce que je savais qu'il y avait certains pères de famille qui voulaient rentrer, et la mère en général aussi, mais pas les enfants. Et il n'était pas question de séparer, puisque nous faisions le regroupement familial dans l'autre sens, ce n'était pas pour faire le retour familial en partie. Donc nous avons demandé que ce soit une décision familiale et qu'après tout, les membres de la famille se mettent d'accord, ou on rentre ou on reste. C'était 10 000 francs par carte de travail, et c'était toute la famille ou personne, et les délais étaient très souples. Je fais une petite parenthèse en ce qui concerne la politique du retour. Vous savez que c'était la grande idée de la période qui m'a précédé, et j'ai bien été obligé de constater que ça se soldait par un échec total, puisque ceux qui en avaient profité étaient précisément ceux qui n'en avaient pas besoin, enfin je veux dire, qu'on souhaitait plutôt voir rester, puisqu'en ont profité les Espagnols et les Portugais, alors que ça s'adressait manifestement aux Maghrébins. Or, la plupart des Maghrébins n'en ont pas profité, donc ça a été véritablement un échec, c'est pourquoi je l'ai supprimé. Cette aide au retour, oui. Elle a d'ailleurs été rétablie après, mais sous d'autres formes, par Georgina Dufoy. Certains nous accusaient de donner trop, 10 000 francs, et à l'inverse, d'autres nous disaient que c'était ridicule. Et ce qui est d'ailleurs assez bizarre et assez amusant, si je peux dire, c'est que les socialistes, en arrivant au pouvoir en 80, ont tout annulé. Et deux ans après, ils l'ont rétabli, et à 10 000 francs, à 100 000 francs. Tu te dis, mais enfin, mon père, c'est pas possible, c'est pas que 10 000 francs. Il n'a pas travaillé 30 années de sa vie pour avoir 10 000 francs et pour être remercié. Et nous, quand je dis nous, je pense à toutes les jeunes filles, on avait été mais bouleversés par cette décision parce que, quelque part, on commençait à s'enraciner, à s'arrimer. Et on s'est dit, avec les éléments d'appréciation qu'avaient nos parents, on avait peur qu'ils prennent cette décision de retour, en tout cas dans ces conditions. Au lieu d'être en phase d'existence, d'être, hein, être. On est tout le temps en phase de démonstration. On veut démontrer qu'on est algérien, mais on n'est pas déviant. On veut démontrer qu'on est algérien, mais on n'est pas analphabète. On veut démontrer que, eh ben, on peut réussir et que c'est pas parce qu'on est algérien, c'est égal à échec. Et c'est vrai que maintenant, moi, je suis un petit peu fatiguée. Tu vois, je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai le sentiment, finalement, d'avoir jamais été à l'écoute de mon ressentir, de mon désir, de mon plaisir. Qu'est-ce que je souhaiterais faire, qu'est-ce qui me serait agréable, et je me dis, ça serait bien quand même que je cesse, tu vois, qu'il n'y a pas de revanche à prendre, finalement, hein. Que la guerre est terminée et que d'exister pour soi un petit peu, d'exister pour soi, être avec sa propre personnalité, bien sûr avec son vécu, mais de cesser d'être en démonstration, de vivre un petit peu pour soi. D'origine algérienne ou d'origine maghrébine. Donc tu dis quand même français d'abord.
Français d'origine. Non, j'ai nationalité française d'origine algérienne. Oui, très bien. Dans la tête, je suis d'abord musulman, je suis pas. Mais français, je suis sur le papier. Français de papier aussi, moi je suis pas française, moi je suis marocaine. Alors personnellement, moi je me sens absolument pas métisse. Française. Aussi, je me sens algérienne. Vraiment à fond, dans l'âme. Ouais, mais dans le style de vie de ça, franchement, je me sens française. Moi, je suis algérienne et avec une culture, disons, une culture algérienne qui s'est adaptée, qui s'est intégrée à la culture française. Et c'est ça que moi, je veux garder. Je veux ni aller vraiment à l'extrême culture algérienne, genre, ouais, tu portes le voile, etc., ni aller jusqu'à l'extrême culture française. Je me considère même pas comme fille d'émigrée. Je sais pas. En tout cas, je me considère pas comme, comme les petits... comme Magali, comme, comme Aurore, comme Stéphanie. Mon père est arrivé en 1955 ici, d'abord seul. Il a fait tous les boulots d'immigrés, quoi. C'est-à-dire il a construit les routes, il a balayé les routes, il a ramassé les poubelles, enfin tout le travail qui relevait, j'allais dire, des gens illettrés, quoi. Bon, moi, mon père, effectivement, il se trouve que c'est un type qui s'exprimait jamais, quoi. Mais on ressentait véritablement ce qu'il avait en lui, je sais pas, moi, par sa façon de respirer. Ou quand il se mettait à écouter un disque, et qu'il avait une larme aux yeux, par exemple un disque de Slimane Azam, et il avait une larme aux yeux. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais su véritablement ce que lui a vécu quand il était plus jeune, parce qu'il n'en a jamais parlé. On sent quand même une sorte de frustration. Il a aussi envie de se venger, de prouver un peu qu'il est capable de faire autre chose que de balayer les rues ou d'avoir un emploi aussi subalterne. Et on sent quand même un sentiment de honte vis-à-vis de ses enfants aussi. Mais en même temps, quand on essaye de parler avec lui, c'est quand même vachement violent. C'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont pas tendres. Mais on sent qu'il nous aime, mais en même temps, il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une discussion possible. Ou alors laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Enfin, c'est un peu tout ça, mon père. C'est comme ça qu'il a vécu. C'est comme ça qu'il s'est exprimé un petit peu avec nous. Et en même temps, il y a aussi ce rejet de la France, peut-être pas le rejet de la France, c'est pas du racisme ou du rejet de la France ou des Français, c'est plus un rejet, les Français m'ont marché dessus toute ma vie, quoi. Mais il n'y avait pas une haine de la France, attention, c'est bien, il faut bien que ce soit clair, c'est-à-dire que c'est pas une haine de la France, c'est peut-être une haine d'un système, mais il y a une espèce de fatalité, c'est-à-dire que moi ils m'ont marché dessus, ils m'ont humilié, mais c'est comme ça mon fils, j'étais voué à ça quand je suis né. Moi, je représentais des associations dans les réceptions à la mairie et autres, et que mon père était serveur, donc il servait les boissons à ceux qui étaient présents. Et il y avait son patron, enfin son chef de service, je vais dire, parce que son patron, c'est plutôt le maire, son chef de service qui le tutoyait et puis qui vous voyait d'autres personnes. Et systématiquement, le chef de service appelait Mohamed tous les Arabes qui étaient là, quoi, tous les Maghrébins qui bossaient. Bon, il se trouve que mon père s'appelle Mohamed, donc c'est pas à ce niveau que ça tiquait pour moi, c'est au niveau du tutoiement. Donc je suis allé voir le type en disant, mais pourquoi est-ce que vous tutoyez mon père, etc. Et l'autre me dit, ouais, mais pour qui prenez-vous, etc., etc., quoi. Donc en fait, il y a eu un conflit ensuite, mais mon père tout de suite... m'a fait un clin d'œil pour me dire de me taire, quoi, parce que tout de suite il a toujours eu peur, en fait ils ont toujours eu peur de l'expulsion, mais vraiment dans tous les actes de la vie, c'est-à-dire au boulot, que ce soit dans le bus, à la maison quand on mettait le poste de radio trop fort ou la télévision un peu trop fort, mon père arrivait pour dire mettez-moi fort, sinon les gens vont porter plainte, on va se faire expulser, etc. Il y avait toujours cette épée de Damoclès, et nous-mêmes quand on était mômes, inévitablement on était imprégnés de ça. C'est-à-dire qu'on avait constamment peur. C'est pour ça que c'est de là que réside aussi la peur de la police, par exemple, chez tous les jeunes. La peur qui se transforme d'ailleurs maintenant en haine. Parce que c'est tout ça. On nous a inculqué un peu cette peur de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les pouvoirs sur les immigrés, quoi, enfin, sur nos parents. Donc c'est tout ça conjugué, bien évidemment, avec le fait qu'on le montre du doigt constamment, avec le fait qu'il soit un peu rejeté, qu'il soit déconsidéré. Donc c'est tout ça qui faisait que pour lui, nous étions Algériens et que nous devions
un jour ou l'autre retourne en Algérie. Donc c'est jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 17-18 ans, pour moi c'était bien clair. J'allais à l'école pour retourner un jour, enfin pour aller en Algérie. On savait pas trop ce qu'on était, on n'avait pas de papier d'identité, on avait juste une carte verte du consulat d'Algérie, une carte d'immatriculation au consulat d'Algérie, mais on n'avait pas du tout, parce qu'on savait pas d'ailleurs, on savait pas qu'on avait le droit à la nationalité française, ou tout simplement parce que nos parents ne voulaient pas, parce que c'était vécu comme une humiliation d'opter pour la nationalité française. Il fallait surtout pas parler de nationalité française ou de carte française à mon père. Parce que pour lui, c'était une sorte de trahison. D'ailleurs, il y a un terme chez nous qui vient de treuser. C'est le, c'est une, enfin, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est d'une certaine manière la trahison suprême. La trahison suprême, c'est de renier. On était né en France, on pensait en France, on rêvait en français. Enfin, vraiment, à tous les niveaux, on était français. Quoi. En fait, a priori, dans nos actes quotidiens, nous étions français. L'État algérien, à l'époque de Boumediene, construisait des logements HLM dans la banlieue d'Alger, par exemple, qui étaient normalement destinés au retour des immigrés. C'est des signes, de toute manière, qui semblaient persuader nos parents qu'on ne voulait plus de nous. Ça, c'est clair. On ne voulait plus de leur force, et bon, c'est vrai que moi, j'étais môme, mais j'entendais mon père dire constamment « ça y est, ils n'ont plus besoin de nous, à mon avis, on va bientôt repartir ». À la fin de l'année donc 79, il a été décidé que s'ouvrirait entre la France et l'Algérie une négociation. Il y avait cette idée effectivement de favoriser un retour et favoriser ce retour par entre autres la construction de logements. Un Algérien qui est venu en France dans les années 50, qui a travaillé dans le bâtiment, qui a épousé une Algérienne. Ils ont des enfants, ils vieillissent, dans le fond, ils souhaitent revenir dans leur village de Kabylie. Et si on leur offre un logement, si on leur offre des avantages financiers, eh bien, ils achètent une Peugeot, ils bourrent la Peugeot de biens de consommation française, on traverse la Méditerranée et on s'installe au village en Kabylie. Vous avez vu ça, on a tous vu ça en Kabylie. Bon, là, ils le faisaient souvent spontanément et on voulait les aider à réaliser ce souhait. Nous avions fixé un contingent qui était de l'ordre de 30 000 Algériens et leurs familles. Mais à partir du moment où on dotait ce chef de famille de logements, etc., il était entendu que la famille suivrait. Il n'y avait aucune obligation imposée aux familles d'emmener avec elles en Algérie, par exemple, des enfants ayant la citoyenneté française. Les autorités algériennes de l'époque avait accepté que cette disposition du rapatriement moyennant un certain nombre d'avantages accordés à ceux qui choisiraient volontairement le retour, il n'y avait pas d'obligation, avait accepté que ça figure dans l'accord, mais plutôt sous la forme d'une déclaration unilatérale du gouvernement français que sous la forme d'un engagement accepté par les deux parties. Il y avait donc une certaine ambiguïté que nous avions acceptée. Pourquoi ? Ben parce que nous pensions bien que ça n'était pas facile pour le gouvernement algérien d'accepter de mettre sa signature sous cet accord. Mais personne ne peut dire ce qui se serait passé avec la Tunisie et le Maroc si cet accord ayant été appliqué avait donné de bons résultats. Il aurait pu constituer un modèle. Cet accord a été signé quelques semaines avant que les élections présidentielles n'amènent à un changement de majorité en France, au moment où François Mitterrand a été élu et où Claude Cheysson m'a remplacé comme ministre des Affaires étrangères. Et une des premières décisions qu'il a prises a été d'annuler cette disposition des accords franco-algériens. C'est le temps et notre comportement à nous qui changeront les choses et non pas... se lamenter, attendre que tout cela vienne d'en haut ou des lois ou autres. Il n'est pas inscrit dans la Constitution française qu'il y a des différences entre les êtres. La différence, elle est faite par des gens à l'intérieur de leur tête. Et contre ça, on peut rien du tout. On peut absolument pas faire de loi contre l'image de marque des Maghrébins en France, quoi. Et que ça sera deux fois plus difficile pour un type qui s'appelle Mohamed
que pour un type qui s'appelle Michel, la seule façon, c'est de changer les choses de nous-mêmes. Maintenant, dans tous les actes de ma vie actuellement, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes parents, quoi, et particulièrement à mon père. C'est-à-dire que même quand je peux avoir une période heureuse, parce qu'après tout, on est heureux, fondamentalement. Enfin, moi, je suis heureux, en l'occurrence. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père, ou à tout ce qu'il a vécu, ou à tous les silences. Et les silences de quand j'étais gamin sont extrêmement bruyants dans ma tête maintenant, quoi. Quand ils sont venus ici, ils savaient qu'en France, eh ben, ils allaient trouver travail. S'ils se sont enfuis de leur pays, pas enfuis, mais s'ils se sont déplacés, quoi. S'ils ont fait le déplacement, je suis désolée, c'est qu'ils savaient qu'ici, ils allaient trouver du travail, qu'ils allaient fonder une famille et tout. Il faut dire que la plupart des immigrés, quand ils vont au bled, c'est pour les vacances. Quoi. Ils sont venus, ils ont pensé à leurs enfants pour venir ici. Mais même, nos enfants, ils vont bien élever, je sais pas. Ils vont avoir, c'est vrai, ils vont avoir un minimum de culture. Bah voilà, donc ils sont tirés de leur pays. Ils sont pas enfuis. Pas enfuis, j'ai dit pas en fille, mais je veux dire, ils sont venus ici. Ouais, voilà, travail, argent, éducation pour leurs enfants et tout. Mon père, lui, il vivait en France. C'était pas comme ma mère. Il vivait parce qu'il allait au café avec les amis, il connaissait les Français, il blaguait avec eux. Et il était tout le temps dans cette espèce d'ambivalence, tu vois, à la fois dans l'envie de montrer aux Français qu'on était là, on était bien, on pouvait répondre aux normes. Et puis il y a des moments où il se fait un peu coincer par la vie. Par exemple, il a un patron qu'il aime beaucoup, qui part à la retraite, et donc il organise un banquet pour ses ouvriers. Et les ouvriers sont invités, bien entendu, à venir en couple. Mais ce jour-là, il décide que ma mère n'ira pas. Mais comme il ne peut pas se permettre d'aller tout seul, il m'emmène moi, tu vois. Tu vois un peu le genre de position dans lequel il me met. Alors il faut bien sûr qu'il s'explique sur le pourquoi il amène sa fille et pas sa femme. Donc il invente un prétexte parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Et ce qui est très très drôle, c'est que je me retrouve à une tablée de culture française, tu vois, avec mon père, où il s'ingénie tout le long du repas à expliquer que non, j'ai beau être une grande jeune fille, je devais avoir 18-19 ans à l'époque. Mais je ne bois pas de vin. Alors il se fait chambrer par ses amis, ses collègues de travail, en lui disant tu exagères, mais sur le mode j'allais dire, culturel français, comme eux ils charrieraient le copain, parce qu'il est tellement français pour eux, je veux dire. Tu vois, ils jouent tellement le français avec eux qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas les codes culturels pour comprendre. Et alors il l'embête tellement qu'il finit par craquer à la fin du repas. Et je me retrouve dans un événement où mon père, de sa propre main, me verse un verre de champagne en disant « Oui, ça, elle peut boire parce que c'est pas vraiment du vin. » Il était tout le temps dans ces espèces de contradictions. Jusqu'à 18 ans, je me sens fondamentalement algérienne. Je me souviens que j'allais dans les meetings et discuter du progrès socialiste du pays, tu vois, et je demandais à mon père à l'époque de pouvoir rentrer pour aller m'engager dans les troupes estudiantines qui aidaient les paysans dans la révolution agraire. Et je fais le projet, l'année où je passe mon bac, d'aller m'inscrire à la fac à Alger. Je commence à me rendre compte petit à petit que l'Algérie que j'imagine, c'est pas l'Algérie réelle. Parce qu'on m'explique qu'il y a un appel à la prière à partir des cités universitaires, qu'il y a des frères musulmans qui sont là, qui surveillent les allées et venues des filles qui rentrent dans la résidence. Et puis quelques mois plus tard, j'apprends qu'à la fac de Constantine, des filles se sont fait agresser au vitriol parce qu'elles portaient des dos nus. Je me rends compte aussi que je suis une enfant de Descartes, de l'école française, et que lorsque j'ai abandonné
des choses de l'ordre de la religion, par exemple, dans lesquelles mon père et ma mère voulaient me faire entrer. C'était bien en référence à du savoir philosophique que j'avais contracté ici, quoi, et que c'était pas la peine que je joue au chat et la souris avec une identité qui, en définitive, n'était pas la mienne. Dans les années 80, on commence à assister à un certain nombre d'événements, et notamment d'assassinats de jeunes issus de l'immigration, avec un traitement par la justice qui est complètement à double vitesse quand il s'agit de punir des assassins de jeunes arabes. Et là, je commence à m'intéresser à ce qui se passe et à me sentir engagée par rapport à ce qui se vit ici. Je proposerai que les violences à caractère raciste deviennent des infractions pénales spécifiques aux sanctions plus lourdes. La marche des beurs, c'était tout ce mouvement qui essayait de faire... de mettre en avant le droit des jeunes issus de l'immigration au même titre que les Français, puisqu'à l'époque, on en parlait... la citoyenneté n'était pas reconnue. Ce vocable de beurre, il dit ce qu'il veut dire. Ça veut dire que, quelque part, c'est une identité tronquée. Bon, la marche, ça part d'un, c'est une idée qui part d'un petit groupe. D'un quartier, des Minguettes. Et donc ce petit groupe, fait une grève de la faim déjà en 81, et puis ensuite, en tentant de s'organiser, créer une association et s'avenir Minguette, et va émettre l'idée de la marche, parce que Toumi a été foudroyé par la balle d'un policier. Donc là, il y a un ras-le-bol, quoi. Et c'est ce petit groupe qui fonce, ne sachant pas qui il va entraîner derrière lui, hein. Et à partir de la marche, à partir du début des années 80, là, ce dont la France prend conscience, c'est que c'est plus du transitoire. C'est du pour longtemps. C'est du j'y suis, j'y reste. Il y a quand même eu tout le climat des expulsions de la fin des années 70, qui a traumatisé beaucoup, beaucoup de familles, parce que dans tous les quartiers de France, il y a eu des jeunes qui ont été expulsés. Et là, ça a créé un climat de tension et de révolte. Cette visibilisation de la présence des enfants d'immigrés maghrébins en France était un paradoxe vis-à-vis des systèmes d'intégration auxquels avaient pensé nos parents. Nos parents, c'était travail, c'est-à-dire reste caché, moins on te voit, moins on t'embête. Autrement dit, plus tu fermes ta bouche, c'était le slogan de mon père, plus tu fermes ta bouche et moins tu risques d'avaler des mouches. Et pour la première fois, les enfants dans la rue, dans l'espace public, c'était un risque inouï de se faire taper dessus. En partant de Marseille, il s'est passé qu'on lance un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Voilà, merci. Le président de la République, M. Mitterrand, qui concrètement leur a annoncé l'attribution d'une carte de séjour unique et valable pour 10 ans à tous les immigrés en situation régulière.
continue de nous montrer du doigt d'une certaine manière par rapport à, bon, il parle de problèmes de banlieue, il parle de problèmes d'islam, on parle de, enfin, c'est tout ça en fait qui fait que même quand on a envie de se sentir français, on se dit on est français, ça y est, c'est bon. Il se passe un petit truc dans la journée qui fait que tout ça, on se dit bah merde, on n'est plus. Il y a un doute, quoi. Il y a un doute à un moment donné. Donc, ce qui fait que bon, on se sent. Je me sens pas algérien non plus, quoi. C'est les deux, quoi. Mais à mon avis, maintenant, il faut faire avec. On se dit, oh là là, c'est un bled pourri. Pourquoi nos parents sont venus ici? Ouais, franchement, on tape la haine, mais mortelle. Bah, c'est Vigné, Le Pen. Il est trop raciste, là. L'extrême droite, c'est n'importe quoi. C'est nous qui rejettons. On est les nous, on est concernés. C'est nous qui sommes concernés. Franchement, il a tout ce qu'il veut. Il vit dans un château. Il est bien. Il a sa villa et tout. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il vient nous voir? On lui a rien fait à lui. Ah non, mais c'est vrai, hein, il est tranquille. Faut le ramener dans la banlieue. Franchement, là, d'accord, je le ramène dans une banlieue, dans une cité. On le laisse. Là, il va voir, franchement, c'est quoi les Arabes quand ils disent les Arabes, les Noirs, les franchement, étrangers. Ouais, c'est ce là, il va savoir faire, c'est quoi. Mais là, il est dans sa ville, là, il parle. J'ai jamais vécu en banlieue, il commence à parler. En fait, ils sont victimes de l'ignorance. Parce qu'en fait, faut dire que c'est la vie qu'on mène qui engendre tout ce qui se passe. C'est vrai, quand on voit où on nous met, là, comme des bungalows, faut dire. C'est ça qui engendre notre révolte, quoi. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai rien apporté, la cité. Rien du tout. Bon, franchement, c'est vrai. D'abord, des fois, il y a des ambiances, on rigole. Mais on m'a rien apporté encore. À chaque fois, il y a une mode. Une fois, c'est en fonction des élections. Une fois, c'est les jeunes issus de la deuxième génération. Une fois, c'est les jeunes beurre. Maintenant, c'est les jeunes de banlieue. À chaque fois, tous les quatre ans, il y a une mode qui sort. Alors faut qu'on arrête tout ça, faut que maintenant qu'il y ait un débat franc, faut qu'on est qui, on est quoi. Et que ce que vous attendez de nous, mais nous on attend beaucoup de choses de vous. Au moins ne serait-ce qu'une reconnaissance. Nos parents, vous ne les avez jamais reconnus, ben nous ce n'est pas nos parents. Les immigrés maghrébins qui meurent ici continuent quand même à renvoyer les corps pour sépulture au pays. On voit de plus en plus de gens qui meurent et qui se font enterrer ici. Et certainement, il y a quelque chose de l'ordre du symbolique qui est en train de se passer, où on accepte que le retour à la terre, il se passe ici. Ça veut dire que l'inscription, elle se fait, elle est faite. Quand on en sera là, ça veut dire qu'effectivement, on a décroché par rapport au pays d'origine. Mais je crois qu'on est dans quelque chose qui est en train de se défaire et de se refaire ici. Mais on n'a pas fini. C'est un mouvement qui s'amorce, mais qui n'est pas... qui s'imposera, forcément. رحلوا عليا دواوير ورحلوا عليا الحباب ابو صبط روحي وحدي براسي We'll be right back.
je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, sur la ville de France. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, oui, ça avance. Voilà.